Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de Need for Speed sur Xbox One. Là je vous montre la Nissan que je viens d'acheter. Là je vais vous montrer la Subaru, voilà. Alors on peut customiser carrément la voiture de A à Z. Là je vais vous montrer voilà, les options qu'il y a, les paramètres, les galeries de photos pour en faire un paquet parce qu'on dirait qu'ils ont mis le jeu sur ça, une galerie de photos. Et par contre, ah merde, je suis sorti. J'aurais pas dû sortir du garage, tant pis. Ouais, pour vous dire que le jeu pouvait customiser la voiture de A à Z un peu comme dans Fast and Furious ou dans Forza, pareil, comme un Forza à peu près. Bon, pas tout comme un Forza, vous pourrez pas créer par contre vos emblèmes sur la voiture à carrosserie, ce qui est un peu dommage, je trouve. Il y en a pas mal par contre. Vous pourrez mettre la carrosserie pour échanger un peu tout, les pneus, tout. Toujours pareil pour un Nivea. Pour un Need for Speed, ça n'a pas changé. Moi j'avais déjà joué à Need for Speed Carbone qui était pas mal. Là il est pas mal, vous voyez, là, je vous montre un petit peu. Ouais, graphiquement il est très beau, tout. Mais les sensations de pilotage n'y sont pas. Ça c'est vraiment le gros bémol, c'est le gros point faible du jeu. Je trouve, parce que graphiquement il est beau, les sensations sont pas mal. L'effet de vitesse est moyen, même avec la nitro je trouve que ça va pas assez vite. Le drift je trouve qu'il est pas mal fait, ça c'est vraiment bien fait par contre le drift. Et les sensations de vitesse, voilà, là je vous montre une petite photo que je vais prendre, voilà, qui vous dit de prendre, il y a pas mal de petites missions comme ça à faire. Par contre c'est un jeu qui se joue qu'en ligne, c'est à dire que si vous êtes déconnecté, je pense que ça ne marchera plus, vous perdrez tout si jamais vous êtes déconnecté. Là je vous montre, voilà, les options que vous donnez en plus, voilà la référence. Là je suis au niveau 20 je crois que j'étais, là je suis au niveau 16 mais je suis au niveau 20 pour vous dire maintenant. Et là j'étais au niveau 16. Là voilà, je vous montre les courses, voilà, je vais prendre celui-là, là, c'est tout de course. Il y a des courses en drift à faire avec des points, ça n'a pas changé. Il y a pas mal de petites choses à faire. Après il faut trouver des pièces pour votre voiture, pour d'autres voitures aussi. Il y a pas mal de voitures, je crois qu'il y a des Porsche, des Ferrari, des Corvette, des Mustang. Il y a de quoi faire. Par contre, ce qui est bien, c'est que les DLC seront gratuits. Ça, je tiens à le préciser, c'est que tous les DLC seront gratuits. D'après ça que j'ai entendu dire. Pour sur ce jeu Need for Speed 2015, ils seront gratuits, ça c'est bien. Ça rattrape un peu le bémol de la jouabilité qui est à mon goût un peu trop léger, un peu trop arcade, c'est à dire c'est quand ça pas les sensations avec la manette comme on devrait avoir. Et les vues, il n'y a pas la vue intérieure, ce qui est un peu dommage. La vue avec le petit volant, ça aurait été pas mal, et ils ont mis que 4 vues, ça fait pas beaucoup je trouve. Peu bémol, et je trouve que les sensations, comme je disais, de la voiture sont pas assez, on sent pas assez la voiture, elle est pas assez lourde, un peu comme GTA qui est vraiment pas mal. Pourtant GTA c'est pas un jeu de voiture, c'est un jeu de, c'est un jeu un peu ouvert, et là on sent pas les sensations, comment dire, la lourdeur, voilà, de la voiture. C'est un peu trop léger, c'est un peu le gros bémol du jeu, parce qu'il est très beau, ça y a rien à dire. Vous voyez les flaques d'eau, tout, c'est vraiment super beau, la ville est super bien faite, tout, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Les sensations à la manette sont un petit peu moyen, c'est ça qui est dommage. L'effet de vitesse est moyen aussi. Il y a des moments, il y a des poursuites avec les flics, c'est pas tip top aussi, on m'attendait à mieux. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'ai vu, voilà. Après tout le reste c'est pas mal, dans le sens que si vous avez des potes qui ont le jeu, c'est vraiment pas mal à plusieurs. Les courses sont assez sympas. Après c'est pas le délire total qu'on attendait. Les bruitages de chaque voiture est pas mal, c'est pas mal aussi, ça va. Si vous avez un bon son, vous verrez, c'est pas mal. On connaît bien la Ferrari, les Porsche, le petit Subaru comme j'ai là, voilà. Et là je vais essayer de faire un drift. Alors vous avez le choix entre soit faire une voiture qui fasse beaucoup de drift, ou soit une voiture qui soit très très rapide. Ça dépend de tes courses, qui vous demande tout, voilà. Et par contre il pleut tout le temps dans le jeu, je sais pas pourquoi, et on joue tout le temps quand il fait nuit. La journée, il y a un petit peu le matin on dirait, mais la journée du jour ça n'existe pas. Dommage. Ah vous voyez là je me suis pris une voiture de face, c'est pas mal une fois comme vous l'avez vu, mais au bout de la 10e fois vous dites c'est bon, il aurait pu changer quand même. C'est un petit peu dommage. Et pour vous dire quand même qu'il est sympa, mais à petit prix, moi je vous le conseille de l'acheter, mais pas neuf. Si vous voulez avoir un bon petit jeu de voiture, que vous voulez pas vous prendre la tête avec le petit réglage et tout, c'est assez facile à jouer. Allez, je vous dis à plus, j'espère que ça vous aura plu. Moi je fonce, ciao.